La perfection. Aujourd'hui, je suis Mystique de X-Men. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de commenter si tu aimes ce look. Et c'est parti. On commence par cacher nos sourcils. Pour voir la vidéo qui parle de ça, je te le mets dans la description. Puis je peins mon visage en bleu. C'est un bleu plutôt soutenu, en peinture à eau. Évidemment, je vous passe en accéléré cette partie car ça dure longtemps. On fait attention en peignant nos sourcils de ne pas enlever la colle. Je voulais un beau rouge, n'importe quoi. Je voulais un beau bleu, assez opaque. Du coup, j'y ai passé 15 bonnes minutes. Et on descend le bleu dans le cou et sur les épaules. C'est sûr que vu comme ça, on dirait plutôt un schtroumpf. Avant que le bleu ne sèche, on va venir apposer notre petite touche d'highlighter pour donner plus de relief à notre teint. Et on va le flouter au blender. J'adore les teintes bien contrastées comme ça. Et je viens prendre une bonne dose de poudre pour fixer tout ça. Avec une houppette, en tapotant pour ne pas déplacer la matière et faire des trous. Pour ce genre de make-up, j'utilise toujours énormément de poudre libre. Il faut prévoir un gros stock. Qu'est-ce que je m'applique? Comme d'hab, j'ai réalisé mes yeux hors caméra. Alors, on va passer à la partie fun, c'est-à-dire les écailles de Mystique. Je me suis fait un petit latex en mélangeant avec du colorant alimentaire. Mais en séchant, ça va sûrement devenir plus bleu, plus clair que ça. Donc c'est pas grave, je mettrai un peu de face painting. Donc je prends un pinceau avec un bout en silicone parce que sinon, si vous prenez un pinceau normal, vous pouvez dire adieu à ce pinceau. Et on va y aller. Un peu déçue parce que j'avais mis de l'épaississant en latex et ça n'a pas épaissi de masse. Pour les écailles, j'ai devant moi une photo de Mystique et j'essaie de reproduire son pattern d'écailles. C'est le moment minutieux du make-up, il ne faut pas se planter pour ne pas devoir tout enlever et abîmer forcément notre teint. Donc on prend son temps et on s'applique. Bon, je voulais m'en accélérer car j'y ai passé aussi beaucoup de temps. L'intérêt d'avoir collé nos sourcils, c'est qu'on va pouvoir y appliquer dessus notre pâte de latex bleu sans que ça se mêle au poil. D'une part, on maîtrise la forme et d'autre part, lors du démaquillage, ça ne va pas arracher nos poils de tête. Et ça, c'est pas négligeable. Au tout début, je n'avais pas compris l'intérêt de protéger mes sourcils et quand je me suis retrouvée avec un énorme trou dedans, je fais attention maintenant. En attendant que ça sèche, je vais venir déposer mon highlighter sous mes pommettes, mon nez, mon arc de cupidon et mon menton. Et je finis mes écailles hors caméra. Alors pour le moment, je vais attendre que ça sèche et je vais m'occuper de la bouche. Pour la bouche, je l'ai peinte en noir. Sinon, le bleu fait ressortir le jaune naturel des dents et c'est dégueu. Donc quand ce sera sec, ce sera complètement... Ce sera beaucoup plus foncé, donc limite, j'aurai même pas à colorer. J'aime bien le bleu comme ça. Je pense que je vais mettre ce bleu-là par la suite sur mes petites écailles pour que ce soit un peu plus bench. En attendant, j'attends que ça sèche et ça risque de prendre un certain temps. En attendant que tout ça sèche, je vais mettre mes lentilles. Donc j'ai pas de lentilles jaunes, mais j'ai des lentilles rouges qui viennent de TDD Eyes sur Instagram. Je mets en barre d'infos, donc on va mettre cela et on changera ça en post-prod. Alors... Hop. Donc celle que j'ai, c'est les Monster Eye, il me semble. Donc je vais mettre mes lentilles et je reviens. Évidemment, les cheveux et les yeux sont pas la même couleur, ce sera changé en post-prod. Parce que tout simplement, je n'ai pas de lentilles jaunes et je vais pas colorer les cheveux en rouge juste pour un make-up. Et voici le résultat. J'espère que tu aimes ce look, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Surtout partage ma petite Mystique, ça lui fera tellement plaisir. Et en attendant, prenez soin de vous, bye. Pour les photos, je vais rajouter
des petites canines parce que je me suis touchée de son poids. C'est mystique un petit peu à la façon perfection imparfaite. Ah, hop. Pour voir la vidéo qui parle de mes canines, rejoins-moi dans le petit i. Oh diablo, je ferai bien aussi.